Yo tout le monde, c'est Horizon, j'espère que vous allez bien, en bon, part ça me fait nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo insane, peut-être l'une des plus grosses vidéos Bloodsfoot de ma chaîne. Les gars, juste avant de commencer la vidéo, je veux vous remercier. Vraiment les gars, c'est insane comment vous regardez mes vidéos. On fait presque 5000 vues dans toutes les vidéos Bloodsfoot. Les gars, ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Les gars, vraiment merci pour ceux qui s'abonnent. La dernière vidéo, on était à 1900 abonnés, on est à 2200 les gars. Ça régale vraiment les gars, ça régale. Surtout merci pour vos commentaires et vos retours, ça fait trop plaisir. Donc vous avez vu le titre de la vidéo les gars, comment voir des fruits très très facilement. Et non les gars, c'est pas du putaclic. Dans cette vidéo les gars, je vous montre des techniques juste infâmes, juste incroyables pour avoir littéralement plus de 1 ou 2 mythiques par jour. Bon déjà les gars, pour commencer par la première technique, ok. Les gars, vous devez savoir que je me suis créé un serveur Discord. Bon les gars, ça fait plus longtemps que j'attends mon serveur Discord pour être prêt. Les gars, il est enfin prêt. Il est là les gars, rejoignez ce serveur Discord. Voilà, il s'appelle Horizon Community. Parce que les gars, on a une grande communauté de malades. Une communauté Roblox, Minecraft et plein d'autres jeux les gars. Donc, voilà, ça fait vraiment très très plaisir. Donc pourquoi je vous dis que c'est la première technique pour avoir des fruits. Parce que les gars, dès maintenant jusqu'au 13 mai les gars, toutes les fruits que j'ai dans mon inventaire sont les vôtres. Alors comment les avoir? Alors vous avez juste à rejoindre le serveur Discord. Toutes les infos sont là-bas les gars. Vous allez tout comprendre, c'est sûr hein. Même si vous avez 5 ans les gars, vous allez tout comprendre. C'est très très simple. En gros les gars, si je peux vous donner une petite preview, ça sera un petit système de roue de spin en fait. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Vraiment c'est très très simple. Mais bon, je vais quand même vous dire un peu comment ça fonctionne. Alors en gros les gars, dans mon serve il y a de la monnaie. De la monnaie gratuite les gars, vous inquiétez pas. Ça coûte pas l'argent, vous devez pas mettre de l'argent. Ça s'appelle les Cosmos Coins. Alors comment avoir des Cosmos Coins les gars? En gros vous allez avoir des défis dans le serveur Discord. Exemple comme défi, likez cette vidéo et envoyez une preuve. Donc voilà. Et ça, exemple, ça va vous donner 100 Cosmos Coins. Et aussi il y a un shop de Cosmos Coins où vous pouvez acheter des choses. Moi les gars, je vais mettre un truc. En fait c'est des loot box. Bon si vous savez pas c'est quoi des loot box, en gros c'est des trucs où il y a des récompenses à l'intérieur. Et ça va être des loot box Bloodsfoot. Donc exemple, vous avez eu 100 Cosmos Coins et les loot box, comme par hasard, ils coûtent 100 Cosmos Coins. Vous avez assez, vous pouvez en acheter une. Et bien il y aura une roue les gars qui va tourner. Bon exemple, vous avez 2% de chance d'avoir le Doe Fruit. Vous avez 5% de chance d'avoir le Dragon Fruit. Et exemple, vous avez 10% de chance d'avoir le Spin Fruit ou le Kilo Fruit. Ok, ça va un peu fonctionner comme ça les gars. Et pendant un mois les gars, ça va être les fruits de mon inventaire. Sinon les gars, après le premier mois, ça va être des fruits qu'on va farmer moi et ma team et qu'on va vous donner. Ça fait plaisir les gars. Pourquoi je fais ça? Parce que vous êtes juste des boss les gars. Juste avant de passer à la deuxième technique les gars, je voulais vous montrer un petit truc. Voilà, j'ai eu le petit Bouddha Fruit les gars. Et j'ai raid, voilà, j'ai fait un petit raid. Et regardez les gars, si j'appuie sur Z. Oh là 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 là, la badassitude. Bon, deuxième technique les gars, c'est le Fruit Notifier. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est un Fruit Notifier, voilà. En fait, ils vous mettent toutes les fruits les gars, c'est juste incroyable. Maintenant, il y a eu une nouvelle update sur le Fruit Notifier. Et si vous achetez, voilà, dans le shop juste ici, vous avez toutes les fruits qui apparaissent les gars. C'est juste trop cheaté. Bien sûr les gars, c'est juste pour pack, hein, c'est juste pour pack. Donc les gars, c'est juste trop ouf. C'est juste trop ouf les gars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que... Oh, ah, j'ai eu peur les gars. Oh, je pensais que c'était le Bouddha Fruit. Bon les gars, d'après vous, c'est quoi comme fruit? Aïe, 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 le Kilo Fruit. Ça fait mal. Donc voilà les gars, c'est le Fruit Notifier. Mais en même temps les gars, faut que je vous dise un autre truc. C'est que en gros, vous pouvez en trouver à côté des arbres. Cet endroit les gars, c'est vraiment très fréquent qu'il y a des fruits. Donc voilà, voilà. Et aussi les gars, si vous voulez des fruits, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Les gars, si vous êtes à la deuxième scie, cherchez des fruits dans la deuxième scie. Si vous êtes à la troisième scie, cherchez des fruits dans la troisième scie. Plus vous êtes haut dans les mers, plus vous avez de chances d'avoir des fruits mythiques.